Dallaire. Nous sommes présentement dans un cours de marketing et nous sommes dans la partie théorique du cours. Alors, nous parlons maintenant de la communication marketing personnalisée. L'entreprise, vous prenez en note, l'entreprise personnalise le message en fonction de chaque client. Donc, dans ce cas-ci, on va utiliser, par exemple, la vente, okay, qui est un moyen de communication directe, où là, on pourra avoir vraiment le message adapté à chaque client, alors que dans la communication de masse, on avait le même message. Nous voici maintenant dans la partie pratique du cours de marketing. Donc, nous travaillons en équipe sur différents projets reliés à la promotion de l'entreprise école ou du programme de technique de comptabilité et de gestion. Je m'appelle Bilo Dimitri, je suis étudiant en technique de comptabilité. Je fais partie du programme de double diplomation entre le Cégep et le lycée Guillaume Apollinaire. Les raisons pour lesquelles je promouvois le double diplôme à KPMG sont que étudier au Cégep de la Pocatière est réellement, comme je dis, une opportunité. On acquiert différentes compétences autres que ce que l'on fait en BTS, comme le marketing, comme la gestion de projet, la littérature québécoise, que nous en France c'est plus du français, de la littérature française. Ça nous donne d'autres connaissances, ça nous permet de voir autre chose. Et deuxièmement, c'est qu'au Québec, on a des bonnes conditions de vie. Les Québécois sont accueillants avec nous. J'ai aucun problème avec les Québécois depuis que je suis là. Ils font tout pour nous mettre à l'aise. Et pour qu'on puisse étudier et donner le meilleur de nous-mêmes. Le Québec offre beaucoup plus d'emplois après un diplôme qu'en France. Et étant donné que les conditions de vie sont vraiment meilleures, rester ici était une option pour moi, mais là est devenue une évidence. Donc le double diplôme, pour ceux qui auront la chance de le faire dans les prochaines années, serait très intéressant pour les futurs diplômés du Guillaume Apollinaire.